Maintenant, où va-t-il donc? Quelqu'un devrait appeler la garde. Pour me déplaire. La demoiselle était sans doute fort bien dotée, mais peu à même. Exactement. Comme vous me connaissez bien, monsieur. Puis-je vous être utile, citoyen ? J'ai craint un instant que votre gouvernante revêche ne se joigne à nous. Auriez-vous besoin d'aide ? Calme et cesse de me parler, que je vais être dans la rue. C'est vrai. Je suis ton associé. Je le prends par le collet. Et je le chercherai comme ça. Et le voilà, le voilà, c'est comme je vous le dis. Garde ton calme et cesse de me parler, que je vais être dans la rue. Je suis ton associé. Il t'a pas plus de théorie. En effet, on voit presque de rien. Et comment peut-on accepter ça? Mais pas de majuscule en fin de mot. Cela n'a pas besoin. Voyons les ordonnances placardées partout en ville. J'avoue, j'ai trouvé un riche abbé à qui je... Dis-moi, ma mouche est-elle bien? Le père du savetier. Ah oui, très bien, ma chère. L'autre jour, et mon corset, est-il bien serré? On peut en effet craindre le pire. Je ne ferai pas. Pas gentil, nous. Et là, je n'ai... Toujours content de te voir. Tu vas souffrir, supplier, implorer. Du tout avant que j'ai vu les sous. On était pourtant si bien partis. Et si tu paies pas, tu risques de jamais arriver. Que dirais-tu de 15? Ma vaillance vaut bien 5 sous. Non, je suis une fleur, pas un tapis, ça se négocie pas. C'est que l'heure tourne, je ne vais plus avoir beaucoup de temps. Laisse-moi encore voir. Non, je t'ai dit. Arrête. Et combien demandes-tu pour seulement butiner tes lèvres? Mes lèvres, personne ne les butine. Bien, je ne sais pas trop quoi en penser. Un homme bien étrange.
Ravi de vous voir, monsieur. Huh?